Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Sois mes yeux, Sinid. Eivor, bienvenue. Viens profiter avec moi de ce liquide doré. Tu es là. Alors, viens boire. Tu as déjà vidé quelques cornes. Mais je flotte toujours. Dis-moi ce que mon vieil ami a pensé de cette coupe. Il a à peine jeté un coup d'œil à ta coupe. Il grommelle et rumine dans sa haute tour. Alfdan a toujours été aussi prompt à s'emporter? Non, ce sont les richesses et la gloire qui l'ont transformé. Il n'est plus l'homme qui... Un Jarl a droit au butin, et le dépense comme il l'entend. Il en a toujours été ainsi. Peut-être. Mais Alfdan accapare toutes les richesses, et ne partagera jamais ni or ni gloire. Quel est cet endroit? Je m'attendais à voir une armée prête à combattre. Ce fut notre premier campement en Orsembri. Je suis venu ici avec Alfdan et ses frères, Ube et Ivar. Nous avons assiégé Jörvik et envoyé à la mort le roi Ael. Ce fut une bonne époque, aujourd'hui révolue. Qu'est-ce que c'est que tout cela? Ma part du trésor datant de cette époque. Je l'avais enfoui ici, au cas où. Ce sac, assez pour payer une armée. Allez, faisons la course jusqu'à Jörvik, Eivor. Cela me rappellera les gloires de jadis. Tu es trop ivre pour gagner une course. Alors bois, au nom de l'équité. Qu'est-ce qui te retient, Eivor? Tu attends le printemps? La jument peut sentir la bière qui coule de ta bouche. Ça lui fait peur. Je suis bien sensible à tes intentions, mais Ulda et moi-même tenons bien la boisson. Que vois-tu, Sinine?
Tu as du mal à suivre ? J'ai l'impression que ma monture a bu plus que moi. Que vient-on faire à Jorvik ? Tu ne l'as pas dit. Rendre visite à notre roi Rixij, puisse-t-il régner longtemps. Je n'ai pas assez d'hommes pour vaincre seuls les Pictes, mais le Fyrd de Rixij permettra d'en venir à bout. Tu ferais appel à un roi de pacotille, mais pas à ton Jarl ? Chut ! Garde ça pour toi. Les murs ont des oreilles et les fenêtres, des yeux. Je n'ai jamais dit que j'acceptais une telle duperie. Tu aurais dû m'en parler avant. Eivor, mon ami, si je devais décrire toute ma stratégie, nous ne quitterions jamais le camp. Je préfère... Mieux vaut porter ma capuche ici. Je préfère la lueur des flammes à l'obscurité de tes projets. Ne me refais pas ça. Les choses vont mieux, non ? Attends. J'ai un service à te demander. Ne dis pas que Halfdan ignore tout de nos projets. C'est mieux ainsi. Tu es fou. Rixij obéit à Halfdan. En le faisant défier la volonté de son maître, tu le mets en grand danger. Rixij ne peut défier des ordres dont il ne sait rien, n'est-ce pas ? Crois-moi, si nous échouons, j'endosserai les reproches. Eivor, l'ami des loups, et les chansons de Halfdan. Quelle étrange surprise. J'espère que Jorvik et toi vous portez bien. Nous faisons aller, oui, avec le peu qu'il nous reste. Mais cette nouvelle guerre devrait nous rendre riches à nouveau, jusqu'au versement de notre tribu. Je peux sentir le fiel dans ton haleine, roi. N'oublie pas qui tient les rênes. Ah oui, tiens, rappelle-le. La me laisse. Confus. C'est à Halfdan que tu réponds. Et il a ordonné...